Bonjour, aujourd'hui c'est le 10e WordCamp Paris. On fête 10 années de WordCamp dans notre belle ville. Et le WordCamp, c'est une équipe de bénévoles. On a également tous les sponsors que je remercie, les orateurs et on a bien sûr le public. Tout ça est réuni ensemble pour faire un super événement basé sur la contribution. Alors le WordCamp pour nous c'est hyper important. C'est la première, c'est le jour où on a lancé Wiglot, c'était le premier WordCamp Paris qu'on faisait il y a 2 ans. Donc on est très content de revenir ici cette année. Joyeux anniversaire à toute la communauté, on est ravis d'être là pour cet anniversaire des 10 ans du WordCamp Paris. L'association VPFR, c'est une association francophone qui représente WordPress lors des événements. On est très content de sponsoriser l'événement WordCamp Paris, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Et une fois de plus cette année, ce qu'on va faire, c'est aller au contact des communautés locales pour leur proposer aussi notre aide, aussi bien, pourquoi pas en main d'œuvre, aussi bien en sponsoring, et puis essayer de faire adhérer pas mal de personnes pour leur demander si elles souhaiteraient, par exemple, être représentantes de VPFR dans leur association ou dans leur meet-up. Fabrice Ducarme, WP Server, hébergement spécialisé WordPress. Voilà, on est présent au WordCamp pour les 10 ans, donc joyeux anniversaire le WordCamp Paris pour ces 10 années de rencontres et de bonne humeur. Je suis Faustine Lépinois, je suis graphiste et web designer freelance depuis 1 an et demi. J'ai fait mon premier pas dans WordPress il y a quelques années, mais en tant qu'autodidacte, et c'est vrai que j'ai voulu vraiment me former et puis avoir une expertise sur ce CMS. Et donc c'est aussi mon premier WordCamp. Je me suis dit que il n'y avait pas de meilleur endroit pour faire pour créer des relations et puis avoir une vraie expérience de partage. Mais il y a beaucoup de bienveillance et puis c'est vrai que j'ai pu avoir beaucoup de réponses à mes questions. Et il y a une belle énergie qui est communicative et j'espère que c'est le premier d'une longue série.